Bonjour à tous, bienvenue dans Boulevard de la Seine, chers amis, et ravi de vous accueillir avec la compagnie des bateaux-mouches pour une balade au cœur de Paris, un Paris que notre invité connaît désormais intimement au gré de son métronome, notamment notre invité Laurent Deutsch, féru d'histoire et qui partage ses passions. C'est parti. Place, chers amis, à bord de notre bateau mouche, le Jean Breuel, qui convoie avec plaisir des Parisiens, des touristes férus de Paris et qui nous permet de quitter un peu le port d'attache du port de l'Alma pour découvrir le cœur de Paris. Un Paris que, oui, vous connaissez décidément. Bonjour Laurent Deutsch. Bonjour. Comme ce bateau d'ailleurs, on Jean Breuel n'a assez pas Paris, de secret on pour jamais vous. Assez Paris. Oui, bah oui, Jean Breuel, c'est vraiment le grand nom des bateaux mouches puisque c'est lui qui a inventé cette légende des. Enfin, qui a donné ce nom au bateau mouche, alors oui. Qu'au départ, c'est pas du tout parisien, puisque si mes souvenirs sont bons, ça se passe du côté de Lyon, où c'était des bateaux qui étaient des remorqueurs, oui. Des petites mouches qui accompagnaient les gros bateaux pour les aider à les haler, les aider à convoyer un petit peu et progresser sur le Rhône ou sur la Saône. Et il a repris l'idée en créant la compagnie des bateaux mouches. Mais voilà, c'est un emprunt qu'on doit aux Lyonnais. Où vous êtes et où nous avons grand plaisir à vous faire redécouvrir encore Paris. Des conférences sur l'UTES, sur Paris, à bord de ce type de bateau, vous avez fait ça. Mais oui, oui. Et puis ce qui est formidable avec le Jean Breuel, c'est qu'il est panoramique, quoi. C'est tout ouvert, c'est que de la vitre. Ah voilà, voilà, la vitre, alors que nous en passons... En cas de tempête, c'est moins sûr, mais il fait toujours beau à Paris. On a un formidable capitaine. Votre amour de l'histoire n'est plus à prouver, de la littérature, des mots, on va en parler notamment avec ce romanesque en images, romanesque que vous mettez en scène également au théâtre. À vous lire, à vous entendre depuis quelques années maintenant, Laurent Deutsch, je me dis que vous auriez fait un enseignant, un pédagogue génial et excellent qu'on aurait tous rêvé à voir. Non, je n'ai pas la résistance des professeurs. Ouais. Moi, quand je joue mon spectacle, vous venez me voir, souvent vous payez votre place, donc quelque part vous êtes automatiquement plus attentif. Alors que les professeurs ont à faire face souvent à des élèves qui n'ont pas forcément envie d'être là. Et pendant 8 heures, ils vont devoir batailler pour les intéresser, pour les motiver, les mobiliser. Et c'est un vrai sacerdoce. Moi, je ne ferais pas 30 mètres dans un collège. Je ne tiendrais pas. J'ai vous pas étiez leur... bon élève, vous ? Oui, ça va. J'étais assidu, discipliné. Bon, vous continuez, je sais, à sillonner un petit peu l'Europe et le monde à la découverte de choses de l'histoire. L'exposition Toutankhamon a fait carton plein à Paris. Et puis, il y en a une autre là qui commence à grossir et à attirer le public. C'est l'exposition Léonard de Vinci au Louvre. En ce moment, déjà 400 000 billets vendus. Ouais. Vous y êtes allé ? Vous y pas encore. Oh, oui, je vais y aller. Je connais un petit peu le travail de Léonard de Vinci. J'ai eu la chance de me rendre à plusieurs reprises, notamment au Clos Lucé, où il a terminé sa vie, aux côtés de François Ier. Oui. Et c'est vrai que c'est un personnage majeur, magnifique, passionnant. On lui a prêté d'ailleurs maintenant, aujourd'hui, c'est l'inventeur de tout. De tout. C'est-à-dire que tout ce qui a été créé pendant la Renaissance, c'est automatiquement Léonard de Vinci, le génial Léonard, qui est forcément pour quelque chose. C'est amusant, mais c'est vrai que c'est devenu une telle légende, une telle icône que lui consacrer une exposition pour je crois que c'est les 500 ans de sa mort, oui, hein, c'est ça. Oui, il est présent aussi dans votre ouvrage. Et vous dites combien la Renaissance aussi a importé de mots italiens. Mais dans la langue française, on est nourri. Pour la langue française, c'est surtout les campagnes d'Italie. On a ramené de la Renaissance, enfin d'Italie, les lumières de la Renaissance. Oui. Après, une défaite terrible, hein, parce qu'on allait au départ se friter avec des Italiens pour revendiquer des territoires dans le Milanais, ce qui était n'importe quoi. On va se prendre une grosse dégelée, mais on va ramener, François Ier va ramener quand même Léonard de Vinci, les lumières de la Renaissance, et surtout une période de progrès dans les arts, dans tous les domaines, et souvent raffinée. Comme on s'en doute avec nos amis italiens, hein, donc on va ramener un vocabulaire pour la cuisine, l'habillement, la musique. Et c'est à partir de là que la langue française va se renforcer de plus de 1000 mots italiens, donc des mots pour ces domaines précis, comme par exemple dans la couture, hein, on doit aux Italiens le pantalon, le costume, le caleçon, les escarpins. On serait tous à poil sans les Italiens, mais aussi pour la nourriture. Hein. Merci aux Italiens d'avoir pensé au régime alimentaire de l'étudiant français. C'est aux Italiens qu'on doit la pizza, les spaghettis, les macaronis, le riz, les vermicelles, les sushis. Non, je t'ai plus. C'est pour voir si vous suiviez, non pas les sushis. Bien sûr, je suis. Écoutez, Laurent Deutsch a un autre point commun avec Léonard de Vinci, c'est que
comme Einstein d'ailleurs, vous êtes gaucher, en témoigne cette photo en couverture. Voilà, vous écrivez bien de la main gauche. D'ailleurs, oui. Je ne sais pas, un jour on étudiera votre graphologie, parce que vous, je sais que vous écrivez beaucoup en itinérance, en mouvement, dans le train, oui. dans l'avion. Dans mes voyages. Votre écriture, ouais. vous l'avez déjà fait analyser ? Elle non. dit des choses ? Non, je ne m'en suis pas préoccupé. Je redoute une sanction terrible si on s'intéresse à mon écriture, parce que comme tous les gauchers, elle est chaotique et torturée. Avant de rejoindre nos amis mariniers juste à côté, cher Laurent, il y a un petit objet qui va vous raconter. Alors, on n'est plus dans la plume, on n'est plus dans le livre. Un autre objet qui vous raconte très bien, c'est la société des artistes, l'Adami, qui produit ce format court, machin chose. Regardez. Ceci est un ballon de football. C'est avec lui que Laurent Deutsch affine sa technique d'acteur. Enfant, Laurent Deutsch rêve d'être footballeur. Mais à 15 ans, le coup près tombe. La technique est bonne, mais le physique ne suit pas. Piqué à vif, l'adolescent fonce alors sur le terrain de la comédie, sans jamais se séparer de son ballon. Rapide et efficace sur les plateaux de tournage, il occupe son temps entre les prises à travailler balle au pied. Et décroche, au bout de 20 ans, le César du meilleur espoir pour un rôle de footballeur. De quoi lui donner le courage d'affronter Eric Cantona sur les planches du théâtre Marigny, avant de la jouer seule en scène pour l'adaptation de son livre romanesque au théâtre de Paris. Joli but ! Voilà le pantalon, et toujours cet artiste qui continue de jongler et de jouer au foot. Ah, toujours, ouais. Toujours, ah oui. C'est la discipline. Mais je recule, hein. plus les années passent, le poste, ça devient dangereux. Je vais finir sur le banc de touche, là. Bon, vous êtes bien aligné avec Jean-Noël Mirande aujourd'hui, notre monsieur culture sur France 3, avec Yvan Alloin. Salut, cher Yvan. Bonjour, Wendy. C'est le monsieur gastronomique de la bande. Coup de faim aujourd'hui. Oui, on va s'intéresser à un mot qui est vraiment rentré dans la langue française, hein, c'est kebab, c'est d'origine turque. Kebab, bien sûr. Voilà, on va manger le meilleur kebab de Paris, peut-être. Merci. Frédéric Sigrits aime bien qu'on emploie ce terme de trublion, ça lui va bien, et ça, c'est la délectation de la langue. Oui, et puis on va s'intéresser à la biographie de Laurent Deutsch, parce qu'il y a des choses à dire. Ouais, un grand homme aussi. Ah bah oui, au Théâtre de Paris, les dimanches, lundi, mardi, pour l'adaptation de Romanesque. Regardez un petit extrait de ce que ça donne, c'est juste qu'il nous en dit un peu plus. On n'est pas sur scène, on est déjà dans l'esprit Laurent Deutsch. De Ave César à Wesh ma gueule, la langue française n'a cessé de se transformer et de se modifier. Ni pour le meilleur, ni pour le pire, non, mais pour devenir un outil de communication qui nous permet de vivre ensemble, ici, maintenant, et sans lequel nos échanges ressembleraient à ça. Et oui, là c'est tout de suite beaucoup moins clair, non? Pour en apprécier toute sa saveur, il suffit d'imaginer la langue française comme un plat du jour, concocté à partir de spécialités latines, grecques, anglo-saxonnes, arabes, bretonnes, et j'en passe. Écœurant ce mélange. Mais non, bien au contraire, unique, original et délicieux. Alors réjouissons-nous, la langue française est plus vivante et plus riche que jamais. Délicieux et délicieuse la langue française, quel plaisir vous avez aussi à mettre en bouche tous ces mots et à nous les transmettre. Vous l'avez appris, cet appétit des mots, en lisant, en écoutant beaucoup, ou il est un peu inné quand même ? Ce qui est inné, je crois, chez moi, c'est ma curiosité. Donc c'est vrai que j'ai commencé à découvrir... Mon patrimoine, mon environnement, en me posant des questions sur ce qui se cachait derrière cette réalité. Là, on est à Paris, c'est magnifique, mais qu'est-ce qui se cache? Et en fait, les murs qu'on voit, là, il y a le Louvre qui passe devant nous, eh bien, c'est comme disait Victor Hugo, c'est le grand livre de Pierre sur lequel est écrit l'histoire de Paris. Mmh. Et les mots, c'est aussi un voyage. C'est-à-dire que les mots ne sont pas neutres, ils ne sont pas arrivés comme ça, bêtement, de manière brute. Ils ont évolué, ils ont été forgés, façonnés par la main de l'homme, par l'évolution, par le temps, par les accents, par les dialectes, par l'usage, par la nécessité, par les métissages, par les rencontres. Et c'est ce qui fait que quand on parle, on convoque un ancêtre. Les mots qu'on emploie sont des monuments dans nos bouches. Et ça, c'est ce qui me passionne, parce que comme pour les pierres qui ont une histoire à me raconter, notre histoire, les mots aussi ont une histoire à nous raconter, et les mots, c'est finalement le meilleur reflet de notre identité. Bah oui, c'est ça, aimer la langue vivante, Jean-Noël Mirande, et ça rejoint absolument le coup de cœur que nous avez proposé aujourd'hui. Il y a un lien évident avec ce que vient de dire Laurent, parce que les mots, c'est aussi la façon de les écrire. On en arrive à l'orthographe, on a souvent de très mauvais souvenirs
vous souveniez des dictées, c'était 6 points par faute, mais vous faisiez 0 faute, j'imagine, Wendy. Je faisais, j'aimais bien la bonne. Ouais. Voilà. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a 2 professeurs belges, anciens professeurs belges, qui font un spectacle en ce moment à Paris, au théâtre Tristan Bernard, qui s'appelle La convivialité. Et ils nous invitent à nous pencher sur l'orthographe, parce que c'est vrai qu'on est souvent jugé par la façon dont on écrit, mais on ne juge jamais la façon dont s'écrivent les mots. Oui. On peut aussi juger l'orthographe. Et je crois que Laurent, vous avez vu en Avignon ce spectacle. Oui, j'avais vu ce spectacle, et c'est vrai qu'il est. Il est pour moi, il a été passionnant. D'ailleurs, ça m'a aussi éclairé dans mon travail. Et c'est vrai que la langue française, elle est née de l'oralité. Mmh. Elle n'est pas née de l'écrit. C'est vrai. C'est pas une langue latine fixe avec très tôt un code, une règle, une grammaire. La grammaire française, la première grammaire française, elle est arrivée au 15e siècle, tout comme les premiers dictionnaires. C'est 15e, 16e siècle. Donc il y a eu pendant près de 1500 ans une langue française qui s'est faite de manière uniquement orale. Donc imaginez l'orthographe. À quel point elle a dû être coiffée, il a fallu la travailler, et finalement, c'est pas elle qui est en avant, et qui prime. Ce qui prévaut, c'est l'oral, c'est l'usage des mots, après on les écrit comme on veut. Alors cette réforme de l'orthographe dont on parle beaucoup en ce moment, à la réforme du Parti passé notamment, ou même la langue inclusive, cette réforme, elle s'est faite naturellement à travers les siècles. Et c'est sur cette question-là que nous invitent ces deux professeurs, anciens professeurs belges, en tout cas ce sont des linguistes, ils nous amusent. Ils commencent par nous faire faire une dictée, mais on rit beaucoup à ce spectacle. On les a rencontrés près de l'Académie française, puisque les académiciens français se considèrent comme les gardiens du temple. Mais auparavant, un extrait du spectacle. C'est parti. Alors, à l'école, les enfants se demandent pourquoi. Pourquoi un X ? Pourquoi avant et pas après ? Pourquoi pas de T ? Et quand les enfants demandent pourquoi, on leur explique comment. Comment on écrit ou comment on accorde. Pourquoi est-ce que l'esprit critique s'arrête au seuil de l'orthographe ? C'est parce qu'on a tous appris à ne plus se demander pourquoi. En réalité, c'est plus de rigueur qu'on voudrait appliquer à l'orthographe en se débarrassant de ces scories et des choses qui ne sont pas justifiables. Gira. L'écrivez-vous avec un F ou deux F ? Charrette. Deux T, deux R, bien sûr. Mais chartier. Pourquoi un seul T ? En français, on écrit bruit, édit ou crédit avec T pour pouvoir faire bruiter, éditer, créditer, mais pas abri. Les crêpes que j'ai mangées, ES. Par contre, quand le complément d'objet suit le participe, il reste invariable. J'ai mangé et les crêpes. Alors pourquoi ? C'est un spectacle assez jouissif, les gens sortent avec la banane. Voilà, en gros, on arrive à parler simplement de toutes ces complications, parfois inutiles, de l'orthographe. La réforme de l'orthographe, mue pourtant éviter des baffes, quand je tombais dans le panneau, de charrette et chariot. L'Académie française comme tombeau de l'orthographe, puisqu'elle n'a plus bougé depuis la 8e édition du dictionnaire. 7e, oui. 7e 1835. 1835. Donc voilà, ça fait longtemps qu'elle ne bouge plus. Le véritable sacrilège serait de suivre ce cortège de vieilles lunes alambiquées et prises de compliquées. Voilà, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Ils y vont, hein, les rebelles devant l'Académie. Ben oui, parce que c'était aussi une façon pour l'élite, justement, elle est là, l'Académie, de juste compliquer là, la langue et d'avoir une espèce de supériorité sur le peuple. En tout cas, ce voyage, on peut le prolonger au théâtre Tristan Bernard. La convivialité, c'est le dimanche après-midi et le lundi soir. Et puis on peut prolonger aussi le voyage avec ce livre, La faute de l'orthographe, et non pas les fautes d'orthographe. C'est aux éditions textuelles. Merci beaucoup. Et je voudrais juste ajouter, parce que c'est un ami belge aussi, Bernard Fripia, que j'ai rencontré et qui sévit sur l'antenne d'Europe 1 le week-end chez Bernard Poirette, un petit livre génial pour apprendre l'orthographe en s'amusant, justement, que je vous recommande. Voilà, 99 trucs pour en rire et la retenir. Les Belges, ils ont quelque chose quand même, aussi dans le côté à la fois défenseur, mais quand je dis défense de la langue française, c'est pas la statuer, Laurent Deutscher, justement accepter que, comme sur la scène, il y a des affluences, des confluences, qu'on se nourrit d'autres choses aussi pour la faire grandir, cette langue. Ouais, c'est tout simplement être curieux de cette langue et réfléchir aux mots qu'on emploie, d'où ils viennent, ce qu'ils ont à nous dire, et surtout on se rendra compte que cette langue française a besoin de sanctuaires comme l'Académie pour la cadrer, pour essayer de faire qu'elle se transmette, qu'on se comprenne et que l'usage reste le plus collectif et le plus nombreux possible, parce qu'une langue a besoin de locuteurs, donc c'est important que, pour qu'on se comprenne, on soit plusieurs. Mais en même temps, il n'y a pas à la fixer, à la figer, sinon elle va mourir. Elle a besoin d'être en mouvement,
elle a besoin d'audace, elle a besoin d'outrage, elle a besoin de néologisme, elle a besoin d'influence, elle a besoin de, par moment de faire le ménage, de se nettoyer, de se contracter ou de se répandre. Donc il faut lui faire confiance. Elle a toujours procédé ainsi. Et ce français qu'on parle aujourd'hui, celui des jeunes d'aujourd'hui, eh bien, on le parlait déjà d'une certaine manière comme ça, il y a un siècle, il y a deux siècles, parce que ça avançait comme ça. C'était toujours un bouleversement permanent. Elle est née comme ça. Ouais. Et d'ailleurs, elle est franche. Et qu'est-ce que c'est que le mot français ? C'est être libre, c'est d'être irrévérencieux, d'être provocateur, d'être par-dessus les lois, toujours. L'Académie française, elle est nécessaire, mais elle suit, elle n'est jamais devant. Et c'est ce que vous nous apprenez notamment au Théâtre de Paris, romanesque en ce moment, dimanche, lundi et mardi, chers amis, si vous voulez vous faire plaisir. Il y a aussi ce livre dont est inspiré ce spectacle, romanesque en images. Vous apprendrez notamment que l'insulte, une des insultes proférées par le capitaine Haddock, crétin des Alpes, a un sens, ce n'est pas une invention d'Hergé, ça a un sens historique. C'était vraiment des gens qui étaient assez particuliers, qui étaient sur les sommets, les hauteurs, ouais. Et qui avaient, c'était des, oui, des gens un peu particuliers, comme on peut retrouver aussi les caqueux dans le sud. Oui, c'était des êtres un peu pas anormaux, mais enfin voilà, un peu particuliers. Avec une pathologie, un groître, voilà. Une hyperthyroïdie. Voilà, donc les crétins des Alpes ont existé. Vous apprendrez, c'est une pépite ce livre notamment, et ça nous fait très plaisir de partager ce moment avec vous, Laurent Deutsch. Qu'est à vous, Frédéric Sigrits? Mais oui, parce qu'on a envie de mieux vous connaître, et donc je me suis renseigné un petit peu sur vous. Et donc, Laurent Deutsch, vous êtes né le 27 octobre, comme deux de mes ex, hein, ce qui signifie sûrement qu'on va très bien s'entendre aujourd'hui, mais que dans un mois, vous n'allez plus répondre à mes textos, et que dans un an, vous allez demander à la police de ne plus m'approcher de vous. Adolescent, vous étiez partagé entre l'amour de la comédie et du football, comme Eric Cantona ou Neymar, qui réussit à faire les deux à la fois, ouais. Faire du football en jouant à la comédie. Vous allez au lycée de Bobigny, et on ne va pas se mentir, ça n'a pas forcément été très simple, parce que quand on a la tchatche et la verve de Fabrice Luchini et le physique de Perceval dans Kaamelott et qu'on se retrouve dans un lycée où les stars c'est Tupac et Booba, bah forcément on a tendance un peu à prendre cher, donc ça n'a pas été simple. Mais comme Alexandre Benalla, vous avez eu le désir d'entrer dans la police, à la section scientifique. La section scientifique, ce sont ces gens qui, après une manifestation de gilets jaunes, sont chargés de retrouver à qui appartient cet œil, à qui appartient ce bras. Mais vous échouez à la dissertation philosophique, le sujet étant comment faire régner la loi quand l'État ne vous paie pas vos heures supplémentaires et coupe dans vos budgets. Enfin, moi non plus, j'aurais pas su trouver quoi dire. Vous avez ensuite fait de la pub pour du yaourt, et l'avantage, c'est que comme vous êtes un homme, vous avez pu garder vos vêtements pour faire cette pub. Et vient ensuite l'époque des grands succès du cinéma, Le ciel, les eaux et ta mère, 3-0, Le Raid, l'époque des 262 promos par semaine où on est obligé de dire devant des animateurs qui n'ont pas vu le film que l'ambiance sur le plateau était formidable, que ce qui nous a surtout plu c'était le scénario et que franchement l'ambiance était tellement sympa sur le tournage qu'on aurait pu le faire gratuitement, donc c'est naturellement qu'ensuite vous avez fait du théâtre, parce que moi aussi j'en aurais eu marre. Et vient ensuite ce moment de votre carrière où vous décidez de vous spécialiser dans les génies décédés, c'est-à-dire Jean de La Fontaine, Jean-Paul Sartre et Mozart, et vous étiez trop petit pour jouer Martin Luther King, je crois. Vous écrivez ensuite Métronome 1 et 2, Hexagone, des best-sellers où vous racontez avec passion l'histoire de Paris et de la France avec la faconde qu'on vous connaît. En gros, vous faites la même chose qu'Yvan, mais qu'avec des lieux qui n'existent plus. Et on vous a reproché à ce moment-là de faire de l'histoire sans être historien. Et j'ai envie de dire à tous ces gens-là qui critiquent souvent votre démarche, parce que Métronome 1 et 2, c'est le cadeau de Noël, mon cadeau de Noël préféré pour ma belle-mère. J'ai envie de dire que souvent, on devrait savoir qu'aujourd'hui, on peut cuisiner sans devenir cuisinier. Merci, monsieur Sigrits, voilà. Pour cet hommage. Laurent Deutsch. C'est vrai, je suis toujours sensible à cette polémique, à voir qu'il y a des gardiens du temple qui disent on ne devrait pas s'y intéresser, ou il y a trop de subjectivité, mais en même temps, je trouve qu'on se raconte par les histoires nous conte, et c'est, voilà un très bon conteur. Donc, heureusement dépassé les procès d'intention, et vous n'avez jamais prétendu en plus être historien. Pardon. Ce qui dérange, en fait, c'est le succès de Laurent. Bah, c'est ça aussi. C'est énorme, donc forcément, on est forcément jalousé, envié. Non, mais 2 millions. Voilà. Non, mais ce qui peut déranger aussi, et d'ailleurs. C'est vrai que c'est mon plaisir et mon bonheur, c'est que moi je considère l'histoire non pas comme un combat pour faire triompher une idéologie, pour être dans une espèce de comprendre la morale, la vérité. Donc il y a une dimension très sérieuse dans l'histoire. D'ailleurs aujourd'hui les universitaires veulent que l'histoire soit une science dure, c'est-à-dire quelque chose d'objectif, oui. Qu'on puisse disséquer un peu comme une grenouille, etc. Donc, où la subjectivité est écartée le plus possible. Moi, pas du tout. Moi, je veux mettre du sujet à mort, de l'incarnation à mort. Moi, je prends l'histoire au pied de la lettre, c'est un divertissement. J'ai eu envie de découvrir l'histoire
grâce aux films que je voyais à la télé quand j'étais petit, les films de La Dernière Séance d'Eddie Mitchell, et c'était un divertissement. Et pour moi, l'histoire, elle doit être heureuse, elle doit être généreuse, elle doit être rassembleuse. Oui. Alors, c'est pour ça que je m'intéresse surtout à de l'histoire ancienne, quand les eaux sont bien blanchies, pour pas qu'il y ait encore de bourreaux ou de victimes. Mais c'est mon privilège que de prétendre à une histoire qui fasse du bien et qui embellisse une journée, plutôt que de la transformer en quelque chose, d'un élément à charge pour un quelconque procès d'intention qui n'a pas lieu d'être. Mais comme nous avons grandi avec Alain Decaux, comme le font aujourd'hui Stéphane Bern ou Franck Ferrand, c'est une histoire, c'est du divertissement. Et puis les films de KPDP aussi. Ça peut être passionnant, l'histoire. Ouais. Ça peut être vraiment captivant. Ça peut être quelque chose qui permet, en plus, après, de mieux comprendre notre réalité, mais pour des raisons beaucoup plus simple, beaucoup plus superficiel, à savoir la géographie, un mot, quelque chose proche de nous, quoi, notre quotidien, ouais. L'histoire dans notre quotidien. Romanesque, c'est un très joli mot d'ailleurs, hein. C'est pas innocent. C'est pas, ben non, c'est, pas, hein. C'est encore une double entrée, à savoir l'origine romaine, puisque la langue française est passée du latin au roman, la langue romane, hein, qui était la langue romaine vulgaire de Charlemagne, c'est devenu le français, et aussi parce qu'elle est en mouvement, elle n'est pas fixe, elle n'est pas figée, donc elle doit être... elle a du souffle, elle est épique, elle est en avant, elle est dynamique, elle est optimiste, parce que c'est la différence entre le romantique et le romanesque. Le romantique, oui. Il arrive devant un fossé, c'est Chateaubriand, c'est Lamartine, il va s'asseoir, il va pleurer devant le ravin. Le romanesque, il va enjamber le fossé, il va enjamber le ravin, il va aller plus loin. C'est ça, le romanesque. J'adore Laurent Deutsch, romanesque, sur scène au Théâtre de Paris et en image dans ce livre illustré. La langue française qui s'est nourrie du couscous, des spaghettis ou du kebab, cher ami. Kebab qui est d'origine turque, hein, ouais. Ça veut dire grillé en turc. Alors on va s'intéresser donc à ce sandwich qui est un peu des fois au cœur de polémiques, avec ce qui s'est passé dernièrement, on le juge un peu trop communautaire. Mais en tout cas, c'est un sandwich très populaire, c'est l'un des plus consommés au monde, juste après le burger. Ouais. Les chiffres sont impressionnants, il y a 350 millions de kebab consommés en France par an. C'est une moyenne, c'est vrai. Le chiffre d'affaires, il est exceptionnel aussi. Hein. C'est 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires en France autour du kebab. Il y a 10 000 restaurants qui sont concernés. Il y en a 333 à Paris. Il y a le meilleur comme le pire. Ouais. Et parmi les meilleurs, moi, j'ai choisi chez celui de la rue des Petits Carreaux. C'est dans le prolongement de la rue Montorgueil. Ça s'appelle chez Grillé, et la viande vient du boucher Star. Chez Grillé, donc il a franchisé. Oui, chez Grillé, il a franchisé, voilà. Franchisé et francisé. Oui, et ça, donc, la viande vient de chez Hugo Desnoyers, c'est le boucher Star que tout le monde connaît. Voilà, pour regarder, c'est très bon. Meilleur kebab de Paris. Donc je ne l'ai pas goûté, je ne peux pas goûter, oui. On vous attendait. Quand vous mangez un kebab, je veux dire commun, bon, c'est plus une façon d'avoir une sorte de besoin de se nourrir. Quand vous mangez un grillé, franchement, il n'y a pas photo. Tout le monde est resté scotché sur la qualité du produit. C'est un kebab haut de gamme, c'est sûr, parce que tous les produits, notamment le veau de lait, notamment les sauces fraîches, les pâtons frais également, les frites fraîches, tout est fait au jour le jour et tout est fait en frais. Sélection des viandes, des matières premières, bien sûr que c'est que du haut de gamme. Et la preuve en est, on a été élu meilleur kebab de Paris il y a 2-3 ans, et bah, c'est pas pour rien, c'est important de toute façon de faire du bon. On a les codes d'un kebab, on va dire, mais tout ce que l'on fait en tant que recette, marinade, sauce et tout ça, tout, c'est vraiment quelque chose à chaque fois d'original. Nous, on ne touche pas à ces broches toutes prêtes surgelées qui viennent d'Allemagne. La première recette, c'est du veau de lait. Bien sûr, on a commencé déjà à travailler sur de l'agneau, on a travaillé sur du poulet fermier. On sera sans doute le premier au monde à faire en exclusivité un kebab au poulet de Bresse. On est loin du sandwich populaire, oui et non, parce qu'on arrive à sortir un ticket moyen qui est quand même à 13 euros. Donc vous pouvez manger un midi avec un kebab de très haute qualité, une boisson, une frite fraîche et une sauce choisie. Le meilleur kebab de Paris. Il est magnifique. Hein. Mmh. Non seulement il est magnifique, mais en plus il est très bon. Et celui avec la sauce aux petits pois, c'est une petite c'est merveille. C'est un bon vendeur, votre copain-là. C'est beau, hein. Ouais, 13 euros, c'est pas donné quand même, mais ça vaut vraiment le coup. Les goûts sont exceptionnels. Ah ouais, et puis c'est un vrai kebab, parce que quand on le mange, on s'en met plein les baskets quand même. Voilà.
Laissez-vous nous rappeler là, chez Grillet, donc. Chez Grillet, rue des Petits Carreaux, c'est dans le prolongement de la rue Montorgueil, quartier de Jean-Noël. D'accord, pour l'instant, il n'a que cette... Anciennement, la, la route du Poisson, quoi. Anciennement, la route du Poisson. Ah, oui, c'est vrai. Bah, elle choisit l'endroit, quoi, vous voyez, fallait qu'il me demande. Elle va révolutionner les choses, c'est c'était comme le chemin du Poisson, quoi, c'est la route de la marée. Un tout petit, merci beaucoup pour cette belle adresse. Un tout petit mot sur Romanesque au théâtre, pièce que vous avez créée au festival d'Anjou en France. Hein, je parle, vous l'avez tournée d'abord et créée en Asie. Oui, je l'ai créée en Asie. Ouais. Et ensuite, je l'ai développée pour la première fois chez mon ami Nicolas Briançon au festival d'Anjou. C'était l'occasion de parler de Briançon qu'on adore. Qu'on ici, très amoureux. Il y a quelques mois. Très amoureux de Briançon. Il est né le 27 octobre. Voilà. Ça va te chauffer. Vrai. Mais qui est un homme formidable. Vous n'avez pas vu encore son Guitry mis en scène avec Sardou, non, j'ai pas vu. Ouais. Avec Nicole Croisy, voilà. Mais vous suivez l'itinéraire de Briançon. Moi, je vous ai vu la dernière fois que je vous ai vu avec lui, c'est Irma la Douce. Surtout, vous avez même fait chanter. Il est un amoureux du théâtre de cette époque, enfin de tous les théâtres. Avec lui, j'ai eu la chance de jouer Shakespeare notamment ou Courteline. Mais c'est un grand connaisseur, un grand érudit du théâtre et des grands hommes de théâtre, des grands auteurs comme Guitry, comme Feydeau, comme Labiche, comme Courteline. Donc quand vous glissez dans une mise en scène de Nicolas Briançon, vous avez de l'os à ronger, quoi. Il sait exactement où vous emmener, quoi vous dire. C'est un super metteur en scène, doublé d'un très grand acteur. Oui. Il est marié. Mais né un 27 octobre. Oui, ça ne nous arrête pas. En attendant, puisqu'on partage aussi le goût des mots et du théâtre, je vous recommande le romanesque de Laurent Deutsch. Si vous deviez me donner un mot comme ça, que vous aimez prononcer, que vous aimez partager, lequel serait-ce pour terminer, Laurent Deutsch ? Rhododendron. Oui, voilà. C'est joli, rhododendron. C'est bon, rhododendron. Oh, les rhododendrons. Ben, j'aime bien rhododendron aussi, ça me rappelle Sim. Tu vois ? Moi, j'aime bien mouiller. Mouiller ? Vous me dire mouiller. Mouiller. Ben, moi, ça va être maman. Maman. Ben, le mot mère. Et en plus, qui nous rassemble parce que... La plupart de toutes les langues parlées en Europe sont issues d'une langue souche, hein, qui était une langue indo-européenne, et on dit tous maman de la même manière. Vous le dites mère en français, ça vient donc du latin, mater, ça se disait matir en gaulois, donc c'était très proche, ça se dit mother en anglais, ça se dit mutter en allemand, ça se dit mudder en hollandais, ça se dit madre en espagnol, Mama. Ça se dit modar en perse, ça se dit meter en grec, ça se dit mati en biélorusse, mat en russe, maïr en arménien, yes. Mater en sanskrit, voilà, il en faut des mères pour faire un monde. Il est beau ce mot mère. À maman, alors à toutes nos mamans. Merci beaucoup, Laurent Deutsch, cher Retour au Théâtre de Paris. Merci pour cette belle déambulation. Merci, Jean-Noël Mirande. La convivialité, ah oui, n'oublie pas. Livre et spectacle. Merci, Frédéric. Et merci, Yvan Alouin, à la semaine prochaine.